Cette fois, c'est la Finlande se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui de Nintendo, tout simplement. Donc voilà. Donc le voici, c'est Kirby, tout simplement. Donc voilà, Kirby qui est un personnage de Nintendo depuis moultes années, qui reprend le nom de leur avocat qui les a sauvés. Eh bien, je reprends la visiographie, mais je sais. Leur avocat qui leur avait sauvé d'un procès, je sais plus contre qui. Ceux qui avaient les droits de Donkey Kong, enfin de King Kong plutôt. Et donc voilà, donc ils ont donné ce nom-là. Et surtout, je me suis basée sur le jeu que je ponce en ce moment sur Switch, qui est Kirby et le monde oublié. Tout simplement, c'est un super jeu. Si vous avez une Switch, je vous conseille. C'est vraiment un super jeu. Je vous dis ça comme ça. Et donc, Kirby, donc le voici. Kirby, tout simplement. Donc, on va pas se mentir, j'ai fait la construction de la Goomba. C'est-à-dire que j'ai pris les pieds rouges Mario, comme sur un Goomba, mais là ils sont sur un Goomba, c'est marron. Ensuite, donc on va enlever ces petites mains. En fait, j'ai pris hop, ces panels de 2 de haut sur 2 de large. Et en fait, il y a des studs partout. Du coup, je peux mettre des tiles ici et là. Et donc, bah, ça me fait la construction de Kirby. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'est pas très circulaire, il est plus cubique qu'autre chose, mais bon, c'est pas si grave. Une petite taille ici, voilà. Là, les petites mains représentées avec hop, des petites pièces avec des studs. Ici, donc, j'ai une petite taille ronde, rose. Et du coup, la tête, je l'ai fait tampographier par Brickstore. Donc, en fait, c'est tout simple, c'est comme sur le site de Lego. Vous importez votre photo et après, Brickstore vous l'imprime. Donc, c'est pas comme sur Lego où là. Enfin, sur le site Lego où on vous a pris vos pièces, mais avant pour faire les mosaïques, on devait donc apporter la photo. Mais là, par contre, du coup, ouais, Kirby, bah, ça représente ça quoi. Et franchement, j'adore, c'est un personnage que Lego n'a pas encore fait. Du coup, je l'ai fait en mode bah, dans la gamme Lego Super Mario quoi. Si vous voulez aussi qu'il y ait une interaction, parce qu'on peut dire que Kirby c'est un petit peu un pote de Mario, vous pouvez mettre la tile avec un sticker. Disponible notamment dans le pack de Luigi, un pack de démarrage Luigi, avec lequel du coup il y a un sticker et en fait quand vous interagissez pardon avec Mario et bien tout simplement vous avez une petite interaction en mode avec des petits cœurs et tout genre bah, je l'aime bien quoi. Donc voilà, ça c'est un custom que vous pouvez faire vous-même, même la pièce hein, je crois que ça m'a coûté, alors j'avais pas dit les prix lors du haul. Ah, mais j'avais eu pour 6 euros pour toute la commande, et là ça m'a coûté quand même 1,84 la pièce. Mais bon, c'est une topographie qui vient de chez eux, donc c'est pas rien tout de même. Et donc, ouais, non, franchement, c'est un super personnage. C'est un personnage que je voulais avoir. Et comme je vous l'ai dit, je surfe un petit peu sur les rumeurs autour de la future gamme Lego Games, pas celle qui regroupe. Tous les jeux vidéo Lego, mais bah, bien une gamme concentrée de jeux vidéo. Voilà. Je surfe un peu sur ça. Et voilà. Bah, du coup, ouais, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo Lego Custom Mock. Voilà. Bah, ouais. Donc, ouais, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé. Et voilà. Bah, du coup, c'était MC, la chaîne, on aura plus. Qui vous dit bye bye.